Ah, il me faut 3 cartes grues. Ah, l'objet est d'aller voir le taré. Merde, j'en ai que 2 pour s'acheter de la drogue. Il m'en manque une. En plus, il dit ça, elle est même pas blonde l'autre. Hein? Elle est même pas blonde. Elle est brune. Ah non, c'est parce qu'à la fin, elle se teint les cheveux après du putain de mascara et tout ça. Oui, avec l'autre ici. Sincèrement, j'adore. Putain, elle pourrait pas mordre. Avec la fourchette. Non, la meilleure scène, c'est la dernière où tu vois la sismothérapie. Ouais. Le gars qui se fait amputer. En même temps, l'autre est un petit peu de lubrifiant. En même temps, t'as la scène. Alors, sérieusement, je supporte pas cette scène-là. Ah, moi, je la regarde tout le temps. Sérieux, je la regarde. Quand j'ai fini le film, je vais pas arrêter de la regarder. De toute façon, c'est mes trucs comme ça que j'adore. Quoi. Bah, ouais, t'aimes bien aussi. Ouais. Alors voilà, donc, si jamais vous aviez entendu dans le film. Enfin, dans le. Oh putain! Soigne. Dans son walkthrough de Final Fantasy. Final Fantasy. Oh putain! Hé! Hey c'est ce qui gicle! Final Fantasy. Mais c'est glissant, voilà. Mais soigne-toi, mène-toi le cul. Non, je vais me soigner à l'instant. Tu veux, mais Buena, c'est la seule moyen, le seul moyen pour pas qu'il t'attaque là. Donc c'est Buena, si jamais dans son walkthrough vous avez entendu, moi j'aime que les trucs tragiques. Que les trucs qui finissent bien. Genre Requiem for Dream, vous allez voir Requiem for Dream, vous allez adorer. Vous allez comprendre pourquoi ça se termine bien. Ah, ça va, si vous faites chier pendant les vacances. Regardez Requiem for a Dream et l'effet papillon. C'est des l'effet papillon, j'ai jamais vu donc je peux pas en parler. Putain, mais. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est bon. Il m'a pété les couilles. Je me fais pas chier, je prends les balles, 40 Smith & Wesson. Eh mais connard, qu'est-ce qu'il fait là? Lâche-moi. Ah, c'est vrai, tu te fais enchaîner là, il te fait un 88 combo là. Oh, mais non putain. Mais sérieux, il est en train de m'humilier. Il t'humilie devant tes parents là. Oh non, mais putain. Sérieusement. Eh, mais là, rien faire. Non mais là c'est pas équitable, c'est un poids lourd contre un poids léger là, c'est. Oh putain, c'est. Non mais le truc c'est lui quand je dis. Vas-y, Boin. Oh putain. Pourtant ils sont pas putain, forts. Putain, il m'a humilié. Hein. Si, il est putain de puissant. Je lui ai envoyé. Ouais, non mais mes balles de il y a pas beaucoup de vie d'habitude. Quel connard. Ouais, non, parce que justement c'est eux. Alors, comme vous avez pu remarquer, ils sont beaucoup. Non, mais faut pas fuir, faut pas leur tourner le dos parce que là ne tournez jamais le dos à l'adversaire. Zone d'exécution. C'est là où on va exécuter les. Enfin, j'aimerais bien que ce soit la zone où on exécute les. Pomme était la bonne réponse. J'adore ça. Ça vient de me rappeler. Mort de rire. Pomme était la bonne réponse. C'est génial. Ah, ce que j'adore, c'est que j'avais dit dans la vidéo précédente. Oui, ouais, en fait, bon, chercher un truc, ouais. Et donc, chercher un truc, donc, je sais pas où je l'ai fait. Pomme était la bonne réponse. Ça a été partir, elle était pleine de poussière. Et oui, donc, si jamais vous avez l'occasion, regardez Requiem for a Dream, RFAD. RFAD. Non, FAD, parce que ça fait FAD. Putain, un beater. Quoi? Beater. Attends, je sais plus si c'est FAD. Si, FAD. Oui, c'est beater. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis là? Amer, non, c'est amer, beater. Mais du coup, tu parles? Ah, FAD. Ah, beater, ouais. Enfin, non, beater. Non, c'est amer. Enfin, avec voilà. Deux T, ouais. B-E, deux T, ouais. Non, B-I. Ah oui, je suis con, ça veut dire better, je suis con. Mais non, better, ça existe pas, c'est... Si, c'est mieux. Enfin, c'est meilleur, c'est... Bon, on s'en fout. Mais non, c'est best. Ah non, hein? Mieux, ouais, c'est raison. Oh, ta gueule, tu veux pas me battre en anglais, c'est fait... Non, je... Alors, on va monter de 3 trucs. Attends. C'est pas avec ton 19,50 de moyenne, là, que tu veux me faire peur. Non. On va... Aller deux fois à gauche et descendre une fois et accrocher un truc. Sérieux, à deux c'est bien fun, mais je sais pas si vous faites chier quoi. Mettez-le dans le commentaire si vous faites chier. De toute manière, ils l'ont déjà mis dans les vidéos d'avant. Attends, vous, c'est une vidéo de 10 minutes, nous c'est. Ça fait combien d'heures là qu'on enregistre 3h17. Voilà, 3h17. Ah, mais arrête, moi je m'amuse. Ah, moi aussi je m'éclate. Mais je sais pas ce que j'ai, je transpire comme un porc. C'est peut-être avec ma résistance de. Fire. Non, c'est vrai, en été je transpire, c'est horrible. Tout le monde s'en fout. Voilà. Alors. Oui, alors pour info, c'est pas des énigmes très difficiles. Hein. Je les connais non. Pas par cœur. Je pense qu'ils avaient remarqué depuis le temps. Mais c'est pas une énigme très difficile, ouais, mais ça arrive. Ah, mais c'est la même que tout à l'heure, ça. Non. Mais si, on l'a déjà vu celle-là. Non, non. 3, on prend, on descend d'un et on relâche. Tu te fous de ma gueule, ouais, non, c'est le même type d'énigme, mais c'est pas la même énigme. Parce que oui, enfin bon, ouais. C'est un peu plus difficile, mais sérieusement, c'est rien de particulier. Tu connais le jeu Forestia? C'est un jeu que je jouais quand j'étais petit. J'adorais, c'est énorme. C'est énorme. Tout simplement. C'est vrai, tu joues le soir. Ouais. C'est trop énorme. Tu verras ce que c'est. Okay, t'es dans une forêt. Bon, ça fait un peu gamin, mais c'est bien. Bon, t'as des arbres qui parlent, mais bon, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Non, non, mais c'est pas un. C'est un film? Non, c'est un jeu. Ouais. Mais c'est énorme, je te dis. C'est un film? Non, non, un jeu. Ah, un jeu, ouais. Mais il est trop bien. Attends. Non, c'est les histoires, elles sont trop énormes. Je vais à deux, je descends d'un et je vais deux à gauche et je le relâche. Ouais. Je sais pas, c'est genre mystique, ça, c'est. C'est putain de mystique, je sais pas. Oh, en fait, j'adore le générique de Mushishi. Il est trop bien. I walk 10,000 miles. Je connais par cœur, je suis sûr, elle est énorme. Si, je connais par cœur. 10,000 miles to see you. Et elle est super. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on entend deux voix en même temps. C'est trop bon.
Il est... En plus, il passe trop vite, tellement il est énorme. Tu te dis, putain, déjà fini? Ouais, ouais. Alice. Quand même, l'anime que je suis en train de regarder en ce moment, c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Par contre, là, on va devoir arrêter l'enregistrement et que je mette ça sur mon disque dur pour qu'on continue, en fait. Ouais, parce que ça coupe, là, ça sera... Eh, hey, sérieusement, on va finir le jeu aujourd'hui. Ah bah oui, tranquille. Enfin, aujourd'hui, cette nuit, quoi. Ouais, mais... Ah, mais sérieux, vive les vacances, là. Si je pouvais, je resterais... Moi, vive les vacances. Je resterais 30 jours, les là. Vacances commencent, je suis tout seul. J'ai deux maisons à moi tout seul pour une semaine. C'est énorme. Et moi, bah, j'ai une maison avec un gars qui me fait chier. J'ai rien à bouffer. Et je suis obligé de venir ici. Bah, pourquoi pas. C'est pas, c'est pas pour me déplaire hein, que je vienne, hein, que je viens ici, d'ailleurs. Ah ouais, parce qu'on parle de RFAD et... RFAD, ouais. Enfin, faudrait quand même que je revoie Scalrex avant qu'il se barre. Ouais. Ouais, je dis que c'est Scalrex pour pas révéler son nom. Même s'il a mis comme un con son nom et son prénom. Il y a même son nom de famille. Vous pouvez regarder sur son profil d'Animation, il y a son nom et son nom de famille. Donc si vous voulez aller chez lui... Non mais lui il est fou. Parce que à chaque fois son pseudo sur internet, je lui ai dit mais arrête de mettre ça, c'est de la merde. Il mettait son nom et son prénom à chaque fois. Il peut aussi mettre son adresse ou mon téléphone. Ah ouais, bah non, mais c'était ça son pseudo sur tous les trucs qu'il allait. Et après, je dis, bah, vas-y, mais choisis un vrai. Ah, un gars déchiré. Ah, attends, je raconte une histoire là. Ouais, vas-y. J'ai dit, mais fous un vrai pseudo, c'est quoi cette merde? Et lui, il voulait moutre des trucs à la con. Ça faisait trop de la merde. On Mario partout. Non, pas ça. Ça faisait trop Kevin. Il mettait Darkness Fire et tout ça. Je dis, mais c'est de la merde. C'est Kevin de merde. Mais il dit, non, mais je mets Blood. Bloody Curse. Non, je mets. Ouais, non, tout ce qui est à Blood ou Nightmare. Ouais, voilà. Démon en anglais. Ou démon, ça fait trop con ça. Eh, sérieusement, même moi si je parle bien anglais. Après, il dit, James... je lui dis, mais putain, faut un truc en rapport avec Mario, parce que tu fais que des Mario. Et l'autre, il me sort. Mario partout. Non, sérieusement, même parce que Mario Party, Mario partout. Bah, sérieusement, moi je parle anglais super bien. Je suis bilingue. Mais même mon pseudo, tu vois, je laisse James, je veux pas Gamer. James Gamer. Un truc à la con. Non mais ça fait con. Quoi, James Jones en fait, ta gueule. Non pas ça. Non ouais les mots. Mais tous les trucs genre Nightmare Fire ça fait con, ça fait. Ouais. Je sais pas. Sérieusement pour tous ceux qui ont un pseudo ou un mot anglais, c'est pas contre vous mais sérieusement ça révèle le kevinisme tout de suite. C'est hallucinant. T'en es en train d'insulter Nightmare comme des cons. Bah oui Nightmare, sérieusement, je sais pas quand t'as trouvé ton pseudo mais. Non. Mais ça fait Kevin. Sans rire. Enfin, moi que Bloody Demon machin, ouais, des trucs comme ça, hein, parce que là c'est le summum de la merde. Là. Ah ouais, alors ça. Attends. Alors, il y a un autre pseudo qui valait son pesant de cacahuète. Parce que j'adore, c'est ceux qui foutent des numéros derrière. Non, mais pas comme Nightmare, justement. Ceux qui foutent des numéros, parce que normalement c'est ton départ que tu fous. Ouais. Il y en a, ils ont pas compris. Oui, la date de naissance. Ils foutent. Jean-Paul 28 et ça me ils foutent un chiffre au pif. Ça sonne bien. Con. Ils ont même pas pigé que c'est ce qu'il fallait foutre voilà. Le truc. Non, ou tiens, Julien, tiens, pour parler de Julien, son pseudo c'est Nightcrawler. Ah, tu regardes tes vidéos ce con. Non, je ah ouais non, je sais pas. Disons, Julien, si tu regardes mes vidéos. Nightcrawler, tu vois. Déjà, ça fait déjà un peu chimiste. Ça va, ça Night. Va. Non. Crawler, c'est pas un mot. Crawler, ça va. Non, c'est fun, Crawler. Ouais, bah, Crawler, c'est fun. Je sais pas du tout ce que t'as à dire, mais c'est rampant. Ah, voilà, c'est ça. Enfin, celui qui rampe dans la nuit, voilà, c'est. C'est pas Creeper. Non. Parce que Creep, ça veut dire ramper. Creep, oui. Non c'est pas ouais. Creep. Ouais mais Creep c'est... Je te jure. Bon ça, on verra bien. Et donc oui, et donc ce truc, en fait il a mis... Je sais plus si c'est 8, 7, 9... Non 9, mais joue en même 8, temps 7. Parce que là... Non parce que justement je vais arrêter. Donc on se retrouve pour une conversation très intéressante avec moi, Mr. Freeze dans quelques... Elder Freeze c'est anglais mais bon Mr. Freeze c'est Yeti quoi c'est... Mais non Mr. Freeze ça fait trop classe parce que j'aime le froid et tout ça et... Ouais c'est un Yeti c'est trop classe. C'est tout. Non mais Mr. Freeze c'est trop bon. Vous avez appris un truc au moins dans ce walkthrough c'est que Freeze... C'est marrant ce quoi, je sais pas. Donc voilà, on se retrouve ça rappelle la marque dans de glace, quelques minutes en fait, vous inquiétez pas, on termine ce walkthrough aujourd'hui. Sur un documentaire sur moi. Voilà. Putain, je vais enlever ce casque parce que je transpire, c'est horrible. Vas-y. Allez. Bah tiens, on peut allumer le... Bon, tu vas me couper cette putain de vidéo. Elle est coupée. Ah non, merde, elle est coupée. Putain. Ouais, salut.